Allez, deuxième pack avec la MCD. On va essayer de ne pas faire comme à la première. J'ai quand même arraché deux vis hein, sur le... C'est beaucoup plus sensible que la VTE2. Il faut reprendre la main. J'ai vu la vidéo de Nicolas, je pensais pas qu'un jour on le verrait en vrai, tu vois. C'est vrai, ça fait plaisir. Hein. Bah moi aussi. C'est bien parce que cette voiture, bien, ça a été un coup de cœur. Ah, Nico, c'est un artiste, hein, il fait du bon boulot. C'est assez incroyable ce qu'il arrive à faire. Ah, franchement, il est bon. À un moment, il customisait les baskets et tout, il s'est fait des délires. Ouais, ce qu'il m'avait dit, ouais. Ah, il est bon, il est bon. Il fait des cadres et tout, enfin, c'est chouette ce qu'il fait. Il est bon, c'est quelqu'un d'accessible, il est très sympa. Il est un... Ah, puis il a pas le melon, ouais. C'est un bon gars, quoi. Ouais, voilà, ça, il a pas le melon. Ah, il vient, il roule avec nous, hein, des fois. Hein. Là, je sais pas s'il va venir aujourd'hui, mais. Des fois, il vient l'après-midi, il vient rouler un peu avec nous. Et il m'a dit qu'il veut passer. Enfin, les gars, alors je sais pas comment il s'appelle. Hop. Ah. Il y a un petit timing. J'ai mis un timing d'une seconde pour pas que ça abîme la transmis. Jamais à fond la voiture là. Donc au final ça suffit largement ce qu'il y a dessus. C'est vrai. C'est pas faux. C'est faux ? Non, non. Oh, toi non plus, là.
Ah ouais? Ouais, elle est longue la ligne, c'est un peu top, hein. Ah putain, et de deux, et de deux. Oh, j'ai fait deuxième côté. Ouais, j'ai fait deuxième côté. En bas, tu vas le voir, avant gauche. Là, t'as du vert, là. Ouais, bah c'est là. Voilà, c'est équilibré comme ça. C'est stylé. Ah ouais. Punaise. Ouais. Je vous garantis que cette info je la sors sur circuit, ça me fait trop mal au cœur. C'est fait pour mais non. Ça fait mal au cœur. Ah ça me fait trop mal au cœur. C'est magnifique avoir roulé mais. D'autant que j'en ai une deuxième là. Qui sera dédiée à ça. Puis au moins je... Pour moi, j'hésiterai pas à envoyer. Ah. Ah, je suis en coupure. Alors normalement en coupure, elle est censée rouler encore. C'est bizarre. Non, c'est bon. Pousse pas. Ça y est, on est rentré de Bao. C'était génial, franchement. Merci encore à Ludo, à Nico, Seb, et tous ceux que j'oublie, Matt, enfin tous ceux que j'oublie. C'était vraiment super sympa. Merci pour l'accueil, les gars. Une belle journée, des bons roulages. Comme je dis, je me suis surtout éclaté sur la piste asphalte. En tout terrain, on en a quand même pas mal dans le coin et la balle est quand même vraiment super grande. C'est appréciable, hein, mais c'est vrai qu'avec le buggy, j'ai pas plus pris mon pied que ça parce que c'est très grand. Et avec le X-Mark, j'avais testé en 4S, j'ai roulé en 6S, peut-être que je me serais plus amusé, je sais pas. En tout cas, c'était milieu d'après-midi, j'ai prévu de rentrer pas trop tard, donc voilà. On en revient à l'XR5. L'XR5, génial, hein. Vous avez dû le voir, si ce n'est, ben voilà, là, donc, j'ai nettoyé un peu avec du vinaigre. Mais Nico qui est passé, Nico de Suazum Design, le peintre de la Caro, m'a dit donc dissolvant sans acétone, et ça va retirer les petites traces de peinture là. Donc cette Caro, ouais, franchement, je vais la destiner à l'expo hein, dans mon garage. J'adore la voir cette voiture, ça m'embêterait qu'elle soit plus abîmée que ça. Donc j'en ai acheté une d'occasion. Donc bah à Matt. Voilà, j'ai acheté celle-là à Matt d'occasion. Hein. Mais elle a été percée bah, pour son thermique. Et moi ça fera de l'air au niveau du moteur. Enfin deuxième pack, le moteur était quand même bien chaud. Et la voiture s'est coupée, vous avez pas les images, la voiture s'est coupée, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Et j'ai eu très très chaud. Alors j'ai eu très très chaud. Pourquoi ? Alors le câblage. Donc le câblage c'est celui-là avec l'anti-étincelle. Donc il vient se mettre ici. Ça va se mettre comme ça. Et là je mets mes lipos. Donc déjà première erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas mis ce que Mika m'a fourni en plus, c'est les petites butées. Pour pas que les butées avancent, parce que sur mon premier choc avec l'MCD, il y a une des batteries qui était sortie de son logement. Ça n'a rien causé, mais ça aurait pu être pire. Et sur le deuxième run, pourquoi elle s'est arrêtée?
Regardez le fil, le câble moins de la lipo. En fait, le câble, il était ici, le câble était là, et malgré que je l'avais fixé avec la sangle sur la lipo, hein, ben le câble moins, il est passé dans la couronne, donc le câble moins bouffé, et j'ai commencé à attaquer le plus. Donc là, je ramène la voiture au stand, et Seb qui était avec moi qui regarde, je commence à vouloir rebrancher, il fait stop, 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 touche plus rien. Donc là, coup de stress, et en fait, il me dit regarde le câble. Donc là, direct, on a écarté parce que si jamais le plus et le moins se touchent sur votre lipo, je vous raconte pas le carnage. Donc j'ai vraiment eu de la chance, je m'en sors très bien. J'aurais pu, on va pas dire exploser, mais ça aurait pu être grave. J'aurais pu cramer quelque chose ou entièrement la bagnole. Ça aurait pu être assez terrible. Donc je m'en sors très très bien là. Mika me dit que je peux le rattraper. Donc je vais essayer de ressouder le câble. Il est très court. Donc je vais faire très attention. Je vais faire vraiment gaffe quand je vais faire ça. Je suis pas rassuré. Donc voilà. Donc ça aurait pu très mal se terminer. Voilà pour le retour de la MCD. Sinon sur piste, ouais, un pur régal. J'ai pas encore regardé. On est en RS, donc c'est des pneus soft. Merci au. Je crois que c'est J-Speed qui m'avait dit de regarder à l'intérieur, puis d'autres personnes. Hein. Là on a quoi, RS, donc ouais c'est du soft avant et arrière, pourtant ça me paraît mais une fois chaud c'était vraiment sympa, ça part en glisse. Vous avez vu les thermiques, hein, quand vous avez les machines en main, il y a vraiment de quoi s'amuser sur ces machines. Donc ouais, gros régal. Vivement à la prochaine, je retournerai certainement là-bas faire des roulages. Pas souvent parce que voilà, c'est une amie de route, mais c'est sûr j'y retournerai au moins une fois ou deux dans l'année faire un passage là-bas, puis c'est sympa de voir des nouvelles têtes et puis des gens que j'ai rencontrés au travers des vidéos justement. Allez, une bonne journée à tous et puis à la prochaine, salut.